Bon matin! Il est rendu midi 40. Bon matin! Donc, moi et Marie-Kim, allons dans notre cours de production filmique. Oui, oui, et nous avons envie de faire dodo! Ouais, vraiment! Parce que tu sais, c'était sa fête samedi soir et on s'est couché. Mais moi, je me suis couchée après toi. Là. Tu t'es couchée à genre 4h. Je me suis couchée à 4h ce matin. Donc, ouais, j'ai pas encore eu le temps de comme reprendre mon sommeil malgré que j'ai fait une nuit de 12h. Comme là, là. Mais je suis encore fatiguée. Donc, ouais. Mais Marie-Kim, t'as l'air pas si pire, là. Elle est toute jolie, encore une fois. Marie-Kim est toujours jolie, c'est pas compliqué. Mais voyons. Mais voyons. Elle est trop cute. Puis, tu dis donc merci à tout le monde pour cette bonne fête. Oh mon dieu, oui, ok. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris genre 3 secondes de leur temps pour me dire bonne fête. Genre, j'étais vraiment contente. Okay, je pense que je vous ai presque tout répondu, mais si j'ai pas eu le temps de tout répondre, ben je vous le dis là. Merci beaucoup. Vous êtes génial, je vous aime. Ah, ben, ouais. Je vais aller répondre. Ouais. C'était vraiment gentil, là. Je voyais tous les commentaires sur ma vidéo. C'était toute bonne fête, Marie-Kim. J'étais comme moi. C'est le genre de choses qui rend joyeuse. Je pense qu'ils voulaient bien. Mais, ouais, c'est ça. Et en passant, leur chaîne du bord, il y a de grandes. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas. Il y a de grandes chances que ça existe. Parce que, ben, c'était trop à demander d'avoir une chaîne du bord. Ouais. Donc, c'est en cours de production. Ouais. Mais, tu sais. Moi pis Sam, là, on se divorce pas pour vrai, on s'aime. Mais ouais, là on est dans notre cours de production filmique. Ça c'est notre cours où est-ce que j'ai vraiment mal au bras, pourquoi? On s'en va dans notre cours que c'est comme on crée un court-métrage. J'en ai déjà parlé. On est vraiment fatigué. Marie, on se calme. Regardez comment elle conduit! Oh mon dieu, je l'aime ça! Mais ouais, c'est ça. Et j'ai pris un thé ce matin parce que j'étais vraiment fatiguée. Oups, j'ai pris la caméra sur le pare-brise. J'ai pris de chaise citrouillée. Mais pourquoi t'arrêtes pas de rire? Mais quand tu ris, tu fais. Mais là, je sais pas, je pense pas que j'ai vlogué vraiment comme au début du cours parce que le prof a parlé pendant comme 2 heures. Oui, c'est le cours. Inutile, comme ça sert à rien qu'à part le prof. Puis après ça, ton équipe, puis ben, j'étais avec Samoun. Puis les autres gens, ben, Valérie, vous la connaissez, mais il y a 3 autres personnes que vous connaissez pas. Je sais pas trop s'ils vont insister que j'ai filmé. Mais on verra. Et ouais, c'est ça. Samuel, maintenant, aime ça apparaître dans mes vlogs, donc je suis sûre qu'il va vous dire un beau bonjour. Et ben là. Bonjour, moi, ça va être un bon jour. Ouais, c'est ça. Je suis sûre qu'il va essayer de bien habillé encore parce que ça, il est toujours bien habillé en production filmique. En plus, pas juste en production filmique. Mais en production filmique, c'est comme sa journée qu'il veut bien s'habiller comme un. S'habiller, parce qu'il veut s'habiller comme un producteur. Exact. Comme s'habiller de l'homme réalisateur. Ouais. Donc voilà, nous arrivons à l'arrêt de notre école. Pour les gens qui ne savent pas, c'est où Gigi. Parce que, tu sais, Gigi, c'est tellement un sujet perdu dans le fin fond des bois, genre, que comme personne ne sait c'est où. Et bien, voici où est-ce qu'on tourne. Yes. Et au fond de l'arrêt, ben, on a notre sujet. Une anecdote à raconter par rapport à notre cégep perdu. Oui. Quand j'étais au secondaire, okay, j'allais à l'école secondaire Horizon Jeunesse à Laval, et oui. Puis là, à un moment donné, le directeur général de mon école, genre, en tout cas, il m'avait demandé « Ah, oh, tu t'en vas à quelle école l'année prochaine? » Donc là, j'ai dit « Je vais à Gérald Godin. » Puis il dit « C'est où ça? » Exactement. Avoue, comme, comment tu promesses de ça aussi. Comme, comment t'es le directeur général d'une école secondaire puis tu sais pas c'est quoi mon cégep? Ouais. Bref, oh, les ça tombe bien parce que je l'aimais pas de toute façon. Bref, ouais. Voilà! Et voilà. Donc, on vous dit à tantôt! À tantôt! Alors, pratique. Présentement, on est dans notre cours de photo. On va voir la traduction. Mais juste ce soir. Mais c'est ça! On vlog aujourd'hui!
Je vais vous faire la présentation des parties du corps. Ici, ici on a la bédaine de chèvre. Ici, nous avons le gras bye bye. Hé, ma mère, elle a fait ça comme ça. Oui, gras bye bye, la bédaine de chèvre. Oh, ok, j'ai une énigme. Alors, j'ai une énigme. Ok. T'as un énigme, ami. En deux étapes, dis-moi, si vous savez, vous répondez pas. En deux étapes, dis-moi comment on fait pour rentrer une girafe dans un frigidaire. J'ai déjà entendu. C'est comme ça. Tu ouvres le frigidaire, tu la mets dedans. Hey les amis, vous savez que dimanche c'était ma fête, ok? Là samedi j'ai fait genre un party de fête. Puis là Samoun, il est venu à ma fête puis il m'a amené une ballonne, ok? Puis sur la ballonne il y avait Ariel la petite sirène, puis genre je l'ai encore. Il y avait le chat à Jeff. Et Jessica nous a montré comment faire bouillir de l'eau. Voici une vidéo. Non. Jessica est mignonne. Trouvez-vous que Jessica est mignonne? Quand je regarde Jessica, je me dis, oh là là, Jessica est tellement mignonne. C'est vrai, je me dis pas Jessica est mignonne, je me dis Jessica est mignonne. Parce que son nom c'est Jessica, c'est pas Jessica. Mais c'est Jessica, mais c'est Jessica. Ouais. Et voici quoi, notre cours en ce moment. Donc, on est vraiment pas productifs. Non, on attend pour une mignon. On est tous finis d'avance. Bonjour peuple de YouTube. Ok, là on n'a rien à faire, on est dans la pause, donc on va visiter l'école. Salut. Vous fumez en train de pisser. Est-ce que t'es cool? Non, on va visiter l'école. Allez, ah, ah. Excuse-moi. Mais si je voulais pas qu'on voit les gens. Regardez, les courts-métrages qu'on va filmer vont être présentés ici en passant. Ça, c'est le corridor de l'école. Mais il y a l'étage en relève, c'est le quatrième étage. Ouais. Donc, c'est ça, le labo. Les gens rient de nous, mais c'est pas grave. Tellement. On filme pour YouTube, là. Oh, oui, c'est ça. Donc, au moins les gens sont sympathiques. Ouais, ils vont venir regarder le vlog, c'est pas grave. Donc, ça, c'est l'école. Ça, c'est un corridor. Il faut assumer. Dans la vie, il faut assumer ses choix et s'aimer. Et quand on réalise qu'on s'aime, on a juste une vie à vivre pour la vie pleinement. Exactement. En faisant des vidéos. Exactement. Tu vas arriver à tout confier à la vie. Et en faisant des costumes. Non, t'inquiète. Jessica a peur qu'on mette sa batterie. Voyons, on s'éveille. C'est l'ascenseur de Gégé. Parce que nous, on est des grosses paresseuses, on prend toujours l'ascenseur. On est vraiment des grosses paresseuses. Ça, c'est le dinosaure de Gégé. On rentre dans la classe. Non, c'est vrai, ça, c'est des marches de secours. Ça, c'est la classe. On rentre dans la classe. Voyez-vous, ça, c'est l'horaire de la classe. C'est le fun, hein? Non, c'est pas vraiment le fun. Ok, on va rentrer dans la classe. La seule dans le monde, je vais l'attraper comme ça. Nous sortons de notre cours. Il est attaché. Il est 5h15. Il est 4h45, à vrai dire. Et c'est ça, on sort de l'école. Voici le stationnement de. Ouh, c'est blanc. Le stationnement de Gérard Godin. Il est encore. Oups. Yo, j'ai tellement pété ma lentille. Il y a tellement de monde quand même. Genre, il est presque 6h. Il y a beaucoup de monde qui finit. Il est même pas 5h. Okay, mais il y a beaucoup de monde qui finit tard le mardi. Et voilà. Alors, ce cours était assez long et plate, mais on était productif quand même. Là. Ben, il faut vraiment être productif rendu chez nous, en tout cas. Ouais, c'est un peu ça. Moi, j'allais faire une belle dissertation de philosophie qui va durer genre. Ça va me prendre du temps. Marie-Kive, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Je dois faire le compte-rendu. Le compte-rendu du World Press Photo. Faut que j'écoute Unité 9, faut que j'écoute Unité 9. Puis je vais peut-être aussi écouter une couple d'émissions de fin de vie là, parce que je les écoute genre, ben c'est pas le 900 parce que moi j'étais que Cogeco et non au Vidéotron. Bref, c'est pas le 900, c'est genre le 662. Ouais. En tout cas, je les écoute là-dessus parce que j'ai pas le temps d'écouter ça chaque soir. Puis sinon, ben je vais manger. Puis après ça, quand j'aurai plus rien à faire, ben je vais manger. Puis là, moi, je mange des tacos. Elle a mangé des tacos, tu sais. En plus, elle me l'a dit.
comme je veux manger des tacos. Moi, je m'en vais chez moi, qui puis là, ma mère, elle a un ami qui c'est comme un chef cuisinier. C'est quelque chose de sérieux, là. Il a déjà été chef en France, puis tout. Il a déjà eu son propre grand resto. C'est vraiment un vrai chef cuisinier, là. Il vient souvent pour la souper chez nous, puis là, il s'en vient nous faire des filets mignons à la croustade de pommes. Je sais pas c'est quoi, là, mais en tout cas. Ah oui. Bref, c'est ça. Ok, c'est ça. Est-ce que je vais vlogger ce soir? Je pense pas que je vais vlogger ce soir parce que j'avais vraiment peur de flou. Donc, ben, je vais mettre un vlog maintenant parce que chez Marie-Kay, mais en plus, c'est quoi de mieux? Samuel, oh non, j'allais dire, est-ce que dans le temps on arrête de nous? Mais non. Donc, ben, on vous dit au revoir, les amis, et on se revoit dans un autre vlog sûrement la semaine prochaine. Ou genre bientôt, là. Ouais, mais je sais pas. Ouais, la semaine prochaine, on est pas trop, je pense. Ok. Ah! Oh, le soleil!